Oh. Mais, d'accord. Carrie, la star. Et tu allais nous découvrir cette vidéo. Et elle était bel et bien en grossesse. Mm-hmm. Oui. Mais pourquoi c'est maintenant que ça sort? Parce qu'elle a fini d'accoucher. Mmh. Mais après, on a l'habitude de voir ça. Hein. On a l'habitude de voir qu'il y a des femmes qui aiment afficher leur grossesse. Ça, on voit ça souvent. Mmh. Mais par contre, il y a d'autres qui ne veulent pas afficher étant mmh. enceinte. Mmh. Parce que tu sais, c'est des choses qui arrivent. Je prends un exemple. Mmh. On a vu des cas où quelqu'un a filmé l'endroit où il était. Et puis, à la minute, il s'est passé quelque chose. Par contre, il y a d'autres qui sont dans un endroit, ils filment, mais après, quand ils s'en vont, qu'ils postent. Non, c'est mon sait, voilà, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. C'est quand je arrive, quand je suis à la maison, ça n'est plus lui maintenant, ouais, je suis assigné. Ah, voilà. Mais si j'ai accouché chez moi, au calme. Tu vois, est-ce que toi, tu as affiché ta grossesse? Moi, quand j'étais enceinte, il n'y avait pas vraiment les réseaux sociaux. Ça fait que je n'ai même pas véritablement des photos avec Yo-Yo. Beaucoup casanière, mais je me promenais dans les endroits, dans les événements. Je partais, voilà, tranquille. La preuve en est que le jour que j'ai fait le travail, c'était un concert de mix. Et j'ai accouché le lendemain. D'accord. Mais voilà. Est-ce que ton nez était devenu comme... Non, mon nez, il ne faut pas demander. Comme cravate. Moi, mon nez, c'était plus que pour toi. Tout ce qui est moins les femmes... Même... Il y a une raison de moi. On parle pour moi, on parle pour vous, tout pour moi. J'ai dit, tout ce qui est moins les femmes... Oui, c'est ça, là. Ça dit, voilà le nez. Ventouse. J'ai te dit, voilà le nez, là. Il y a deux, mais ça prend les lèvres, mais les lèvres, là, tu vois. Il y a des gens comme ça. J'ai dit... Pas dire un gros boulot, enfin, déjà. Ça me fait trop rire, quand je les vois, là. Alors, si toi, tu es enceinte... Il y a un mec bré. C'est la question qui est. Non, mais c'est qu'ils vont. Yeah, les mots sont annoyés, même. Ils vont grouper sur ma life. Mais non. Marie Gotao, gros volage. Il y a mes brés kakou, même. Tu n'as pas. Ah, Marie Gotao, t'as des brés aussi. Mal. Le mariage, quoi. Oui, peut-être. Mais il y a tout ça. Ils vont venir checker ta robe, les malos, là. Ta robe, que tu as 100 ans. Tu as comment ils ont trop sale comme. Oh, mais j'imagine. Ah, puis après, il y a mon mari. J'imagine. Nash, sa grossesse. Et ça fait rien, Anoussia. Anoussia. Mais c'est le moment qui a grouillé, qui apprendra. Heureusement qu'il n'y avait pas fait. Bon, il y avait Facebook, mais c'était Corogo. En 2011, est-ce qu'il y avait Facebook? Oui, Facebook. Mais c'était pas populaire, c'était pas trop populaire. Oui, moi, je ne connaissais pas encore. Ouais. Je ne connaissais pas parce que la première fois que mon Facebook, là, ce sont mes soeurs en Italie qui ont VPN, mais tu as tous pour te connecter. Tu vois, donc moi, il était dans mon. Tu sais que si tu m'as croisé, c'est là que tu as. Mais il était vilaine. Yeah. Et puis, il était devenu noir. J'étais enceinte, t'es pas vilaine. Mais franchement. J'étais t'étais très engrossée. J'étais en grossesse. Non, mais elle est grossesse. J'étais engrossée. Mais tu sais, il y a des femmes, quand elles prennent une grossesse, c'est tellement joli. Ouais. C'est-à-dire que ouais. Rien ne change, quoi. Le visage est là, gros ventre, machin sexy, quoi. Tu vois, mais tu comme ta femme. Oui. Ah, non. C'est là que je passe tout le temps l'enceinte. Hey quand tu es enceinte, tu la trouves belle. Attends, hein. Go là. Madame Zier. Souvent, non, elle englobe, non, et puis ici, là, ici, et puis elle rit jusqu'à... Voilà, Nel arrive ici. C'est tout ce qui moyen les femmes. C'est toi qui as fait ça. Mais je n'ai rien fait de mal. En fait, c'est mal, moi, t'es mort. Non, j'ai juste enceinté. T'as pas envoyé à Korogo, c'est génial. J'ai juste enceinté. Et il y a des femmes qui portent une grossesse. Ouais. Tu ne sais même pas qu'elles sont enceintes. Jusqu'à oui, terme. Oui. Ma soeur, Marie-Claude, même, elle est tranquille. Il y a des femmes elle est tranquille. Mais je pense que ça doit dû peut-être, je sais pas, peut-être aux hormones ou au corps. C'est naturel. Quand je vois les papas même qui me disent souvent, Carina, si l'enceinte, vous pouvez rester assise, vous pouvez me voir assise là. Il n'y a pas force de ça. Carina, même si tu es assise à la maison, on fait ça en duplex. Tu vois, je tu pourras pas, tu es en train de parler là parce que tu penses que ce n'est pas encore arrivé. Si elle tombe enceinte aussi, tu ne pourras même plus me supporter. Et tu là même là, tu ne dois pas tomber enceinte maintenant. Mais c'est ça. À la cinquième saison. Et les femmes aussi, qu'elles sont enceintes, elles sont enceintes! Tu vas vivre ça avec elles. Les femmes, là, les femmes. Elle dit, le ventre est là-bas, là. Non! Imagine le week-end Nash enceinte. Et tu imagines, Tentiche. Yo, tu imagines Tentiche enceinte. Au bol, hein? Maman, il dit à sa soeur, il dit que, yeah! Mon gros bol va faire rire. Non, moi, toi, ça va faire rire. Hé! Tentiche! Je t'aime, ma chérie. Non, toi, ça va faire rire.
Une grenouille. Elle est trop belle. Oh, laissez ça. Nous trop pata. Nous sommes enceintes. D'une manière. Elle va se faire d'une manière. Elle s'en connaît grossesse. Grossesse, te commander. Alors, en tout cas, félicitations à Sarah Messant pour son... C'est une fille ou c'est un garçon? Une fille. C'est une fille? Oui. Ah, d'accord. Magnifique. J'ai vu Apoutchou qui a fait un post pour dire non, merci d'avoir fait de moi un père. Ça, la demande des papous. L'autre aussi. Comment elle s'appelle? L'autre aussi. Technouche. Technouche, non. Makoso. Makoso, lui n'a pas encore fait de post. Ah, moi. On attend. D'accord, ok. Donc, dans l'attente d'une suite favorable.